Alors le Media Lab, c'est un espace d'expérimentation et de prototypage qui va tourner autour de l'audiovisuel immersif, dont la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le motion capture, le son binaural, mais aussi le son un peu plus classique comme le podcast et dans un second temps, le mapping interactif. L'idée, c'est que dès le premier rendez-vous, on va un peu réfléchir à quel média est vraiment le plus pertinent à tel projet, parce qu'on peut arriver avec une idée en se disant « Ah, je veux faire de la réalité augmentée » et en fait se rendre compte que finalement, c'est peut-être ce qui n'est pas le plus adéquat à son idée ou à son projet. La raison pour laquelle on a lancé le Media Lab, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un besoin énorme, mais que les gens ne maîtrisent pas spécialement les outils et que dans les écoles ou les systèmes de formation classiques, ça demande trop d'efforts en fait de se mettre à la pointe de ces outils technologiques qui évoluent tout le temps. Alors là, l'idée, c'est de proposer un programme évolutif sur la base de modules où on va pouvoir en fait analyser les besoins des gens du marché, que ce soit des entreprises, des artistes, des créateurs, créatrices, et répondre à leurs besoins avec des formations adaptées. Favoriser la créativité en cœur urbain, ce n'est pas seulement une question de lieux à mettre à disposition, c'est aussi une question d'outils à offrir pour permettre, surtout à l'heure digitale, à toutes celles et ceux qui ont des idées, qui ont des projets, de pouvoir aussi s'appuyer sur le multimédia, les différentes possibilités qui s'offrent de surcroît dans un endroit aussi stimulant que le track, pour pouvoir faire grandir ces idées, les concrétiser, les transformer en projets, et puis pourquoi pas après partir dans une aventure entrepreneuriale intéressante. Et donc, plein soutien de la ville de Namur à cette démarche. Alors ce projet, il est à l'initiative de l'association KIK, qui est une association qui explore les liens entre art, science, technologie et société à travers l'organisation d'événements, de projets éducationnels, à travers aussi de la formation, de l'éducation et de la production d'événements artistiques, d'expositions ou même de projets.